gato icya mbere nuko amareforme abakenewe les réformes annoncées haba gushirwa mu ngiro la mise en œuvre des réformes zikanyaruka hari amareforme nkubu ari mu ari karaja mu ngiro ibya digitalisation kuko digitalisation izofasha cyane muri amirasho y'ikirimande zafe yongere ifashe muri bya gouvernance hari ibindi bihari by'amareforme y'ama déclaration fiscale en ligne ama de paiement en ligne d'exemple icyo ni kintu kizofasha cyane kugira ngo la gouvernance yabiyore kugira ngo umubiza atunga ashobore kugira déclaration fiscale yo gutanga ikode ateriwe arahaguruka ngo agende gushika ku irobe ashobore kuriha amakuru yiwe atiriwe araja mu kibobe hamwe ata contact physique iba hagati y'umubiza atunga n'umuwaja wa bere uko iyo abantu bagenda barabona kenshi niho nibyo bintu bya mubiza gouvernance bishobora kuba niho nivyo byagiye biramo mu bihugu bindi bya Singapore bya iri muri Islande il faut toujours une digitalisation kugira ngo iyo politique ya digitalisation ije mu ngiro bidatevye cyo kimwe n'ibyo bya facturation électronique secteur privé il a fixé bien qu'il a cours abantu rezo mudafaire barafise uko barakora kugira ngo bajigire iyi situation d'inflation importée ariko n'icyo bibaduga masaho kumuza makungu marabonye mu guca Kenya ariko bade manifestation icyo cyo cyo ibi rero abagwiza tunga bakire gutera intege naganda ababire ko hariho muravye mu ma base done des information igihe imbere ya crise 2015 do niveau d'investissement direct étranger twari autour de 350 millions de dollars haraba crise birakoroka gushaka dushaka ku miliyoni umwe w'amadolari Mugabo des hommes d'affaires burundais, le secteur privé burundais a continué d'investir, a continué à prendre des risques. Baratanga kazi mu madomaine atandukanye, mu mabanki, mu assurance, mu mayirisi. Au lieu de les encourager, abantu bakaza kuvuga ibintu qui décourage le secteur privé.